Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo dans une ambiance vraiment hivernale, brume, neige, enfin de la neige, on n'est pas en Suisse non plus. Hein. Alors on est près d'éoliennes, mais qu'on ne voit même pas. Donc j'hésite quand même à mettre le drone en l'air, mais je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble l'endroit où je suis. Alors, pourquoi je ne suis pas dans le van, tout simplement parce que j'avais envie de changer de décor et que venir ici avec le van relève quand même pas de l'impossible, mais enfin c'est pas évident quoi. Même si ici, à la limite, cette place-ci aurait pu convenir, mais la route est extrêmement étroite. Et donc si je croise quelqu'un, ça aurait pu être compliqué. Et c'est le gros avantage du Duster qui est à ma disposition. Alors, on aurait été en été, je serais venu ici à vélo par exemple, puisque le van n'est pas loin. Mais en hiver, voilà tout l'avantage d'avoir ce Duster à disposition. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je voudrais vous faire part de mon coup de cœur, et j'essaierai de faire ça régulièrement, mon coup de cœur cinéma. Alors c'est un film qui n'est pas sorti au cinéma, je pense. C'est Finch. C'est sorti sur Apple TV avec Tom Hanks et c'est un film absolument magnifique. J'ai une attirance particulière pour les films qui sont basés sur des histoires vraies. Celui-là, ce n'est pas le cas, mais c'est un film absolument splendide qui pourra même tirer une larme à la fin pour les plus sensibles. Magnifique film. La prochaine vidéo, je vous parlerai d'un autre film. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet de cette vidéo, c'est-à-dire les 3 ans de Van Life, puisqu'on y approche. Donc j'ai froid aux mains, j'ai tout prévu, question habillement, sauf mes gants. Donc j'ai ce que les spécialistes appellent un hard shell, donc ce truc qui est totalement imperméable pour la pluie. J'ai un duvet en plume de je ne sais quoi. Voilà, un bon bonnet en laine mérinos. Je parlerai un jour des vêtements, je l'ai déjà dit, je pense. Bref, je reviens au sujet de la vidéo, c'est-à-dire les 3 ans de Van Life. Alors, Van Life, Van Lifer, si vous regardez la définition Instagram, entre guillemets, il s'agit souvent de gens jeunes, très jeunes, avec un VWT1, au bord d'une plage, le coffre ouvert, il y a bien sûr du soleil, parce que c'est pas le tout d'être au bord d'une plage, il faut également du soleil, et avec une jolie fille, de préférence les fesses à l'air, étalée sur le lit, en train de regarder son homme qui fait du surf. Voilà, ça c'est la vie idyllique apparemment du Van Lifer. Et Van Lifer voudrait donc dire, ou veut donc dire, quelqu'un qui vit comme ça, dans un véhicule aménagé complètement ou en partie, et qui va de spot en spot. Ça aussi c'est le grand terme à la mode chez les Van Lifer ou les camping-caristes. Voilà, on va de spot en spot. Découvrir les merveilles du monde sans se tracasser le moins du monde du lendemain. En ce qui me concerne, si je ne coche aucune de ces cases d'Instagram, donc le beau mec jeune qui fait du surf avec un VWT1, il n'en demeure pas moins que ça fait quand même 3 ans maintenant que je vis à temps plein dans mon van, et j'insiste bien, à temps plein, même s'il y a eu 2 mois de flottement au niveau de la période Covid, hein, au tout début. Vous avez également constaté que sur ma chaîne, il n'y a guère de place pour les voyages. Pour une bonne et simple raison, c'est que j'ai des activités professionnelles, parce que contrairement à la Van Life version Instagram, je ne vis pas d'amour, d'eau fraîche, de planches de surf, de soleil et de VWT1. Moi, il me faut un minimum de ressources financières pour payer le van déjà, pour payer ma nourriture, payer ce que je dois. Alors moi, je n'ai pas de dette, mais j'ai quand même des choses à payer tous les mois, comme vous. Vous avez eau, électricité, téléphone, etc. Ben, moi, je n'ai peut-être pas d'eau et d'électricité, mais j'ai le carburant à payer, j'ai le téléphone à payer, connexion Internet, mon matériel informatique. Il faut quand même que je fasse vivre ma société. Il n'est pas question de la laisser aller à volo, comme on dit. Et donc, mes activités professionnelles sont bien évidemment un frein au voyage, même si, depuis le début du Covid, ces activités ont fortement descendu. Mais maintenant, j'ai récupéré du travail, donc ça va repartir, en tout cas pour quelques mois. Et à partir de maintenant, les voyages, notamment celui que j'avais prévu en Suisse au mois de février,
peut-être est-il compromis. Et donc sans activité professionnelle, en tout cas en ce qui me concerne, moi je suis SDF, quoi, je vais dire quasiment, hein, puisque je n'ai pas droit au chômage, je suis indépendant depuis je ne sais combien d'années, je n'ai pas droit au chômage. Et donc question finance, plusieurs possibilités, soit on dispose de réserves plus ou moins importantes qui permettent de faire plus ou moins longtemps de la van life, je vais dire, et de voyager en Europe ou ailleurs, soit vous avez du boulot que vous pouvez entreprendre au gré du vent le long de la route, ou avoir une chaîne YouTube qui fonctionne du tonnerre. J'en ai parlé dans une vidéo assez ancienne, j'essaye de remettre le lien ici au-dessus. Vous avez un site qui s'appelle socialblade.com, vous tapez le nom de la chaîne YouTube et ça vous donne une fourchette très large des revenus de cette chaîne. Si vous prenez le cas de l'américain Marques Brownlee, c'est une grosse chaîne avec 15 millions d'abonnés, ben lui les revenus apparemment c'est aux alentours de 25 000 dollars par mois. Donc lui, deux mois, il s'achète une Tesla, quoi. C'est un ordre de grandeur, une Tesla ou autre chose, hein. Quatre mois, il s'achète une belle maison. Voilà. Alors, des chaînes à 100 000, 300 000 abonnés, je pense que ça doit quand même générer quelques revenus, puisque avec mes 5 000 abonnés, et donc le nombre de vues qui correspond à ma chaîne de 5 000 abonnés, j'ai en moyenne 80 à 90 euros tous les mois. C'est-à-dire, en français, 80 à 90 euros par mois. Ce qui n'est pas grand-chose, mais je suis très content de les avoir tous les mois, hein, je peux vous le dire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Dame Sonia? Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais Dame Sonia vient de me rejoindre. Je suis ici en pleine nature, on est dans une rue qui ne ressemble même plus à une rue. On est en cul-de-sac ici. Et voilà, elle va se montrer à la caméra. Bonjour à tous. C'est elle, hein, Sonia, Dame Sonia. L'ours des Vosges, elle s'est dit que dans ce décor de grisaille que je vous montre avec la petite caméra qui est posée sur le capot, je la tourne, elle s'est dit que ça serait pas mal d'apporter un peu de couleur avec son espèce de machin jaune là que vous voyez là. Machin jaune qui roule très bien et dont je suis enchantée. Voilà, et c'est là qu'elle pourrait me répondre, tu sais ce qu'il te dit le machin jaune. Exactement. Je sais ce qu'il me dit. Oui, il me dit merde, voilà, soyons clairs. Hein. Et avec tout ça, je ne sais plus ce que je disais. Il y en a qui peuvent vivre de ça, parce qu'ils ont certainement beaucoup plus de talent que moi, parce qu'ils ont la jeunesse pour eux, qu'ils ont un nombre d'abonnés conséquent. Et aussi, disons-le, parce qu'il y a beaucoup de sponsoring. Il y en a, il y a des chaînes où quasiment chaque vidéo, pour ne pas dire toutes les vidéos, sont sponsorisées par des marques qui sont marquées sur les bagnoles ou Dieu sait quoi. Voilà. En ce qui me concerne, je ne suis pas contre du tout le sponsoring, pour autant que cela puisse vous servir, vous, et accessoirement moi. C'est-à-dire que j'ai fait deux vidéos sponsorisées jusque maintenant pour deux batteries Blue Yeti. La deuxième était un peu plus petite et à mon avis guère adaptée à la van life, mais en même temps je l'ai mentionné telle qu'elle dans la vidéo. Mais par exemple, on m'a contacté cette semaine, All Powers, encore pour une batterie mais minuscule, et on me présente ça comme un truc qui peut servir pour les van lifers. Eh bien j'ai répondu non, merci, ça ne m'intéresse pas, proposez-moi une batterie de 2000 watts, style EcoFlow Delta Max ou Goal Zero 1400X. Et là, je veux bien faire un essai de cette batterie et la présenter, parce que ça peut vous servir. On m'a demandé de présenter des toilettes sèches. J'ai dit non, parce que je suis contre ce système. Et voilà, je ne veux pas parler de choses juste pour le plaisir de faire du pognon, quoi. C'est pas comme ça que je fonctionne. Donc voilà un petit peu les particularités de la chaîne Le Vanulis et de son présentateur vedette, Joss, c'est-à-dire moi-même. C'est quoi cette boule-là, ça, là ? Ah ben, c'est comme une grosse... Yes. On la voit sur la vidéo? Je sais pas. Non, on ne la voit pas. Ah, si, on la voit. Si, on la voit. Il y a Sonia qui est en train de se demander ce que c'est que cette grosse boule qui est sur le tronc d'arbre ici. Je crois que c'est là. Ouais, c'est ça, c'est là. C'est ce machin-là. Ben, je sais pas, c'est une grosse boule, quoi. Hein. On dirait deux testicules, hein, soyons honnêtes. Bref, autre aspect très important pour moi de la van life. C'est, de ma van life en tout cas, c'est la possibilité d'avoir un port d'attache.
J'en avais un, puisque je vivais dans un appartement avec mon fiston, et quand j'ai choisi de vivre dans mon fourgon aménagé, ma petite boîte de conserve, comme je l'appelle souvent, eh bien, j'avais quand même encore ma chambre sur place, donc van en panne, plus d'une journée d'immobilisation, pas de problème, j'avais ma chambre. Maintenant, j'ai la chambre de Sonia éventuellement, que nous partageons de temps en temps, donc ça va. Mais j'avais aussi l'intégralité de mes affaires qui étaient stockées là, c'est-à-dire tout un tas de matériel, aspirateur, karcher, injecteur extracteur pour faire les sièges, etc., puisque j'ai fait du car detailing, un chariot d'atelier avec tout le matériel pour le polissage des véhicules, la polisseuse, tous les pads, les produits, etc., et Dieu sait que j'en avais. J'avais accès à la machine à laver et le sèche-linge. Je pouvais faire le plein d'eau. En hiver, j'y allais, je me branchais quand il fallait recharger, etc., etc. Et la présence de ce point d'attache, c'était quand même finalement très intéressant. Et il se fait que maintenant, je n'ai plus de port d'attache, ce qui veut dire que j'ai des affaires qui sont disséminées un peu à gauche, à droite. Vous vous doutez bien, comme moi, que joli pompon, après le jaune, on sort le rouge. Après le jaune, on sort le rouge. Regardez, elle a un joli pompon rouge, c'est magnifique. Bon, je ne sais pas si ça va vraiment avec le jaune de sa Peugeot 208, mais elle a un joli avec pompon. Est-ce que c'est pas le pompon que tu avais quand tu étais déguisé en ours des Vosges? Non. Non? C'était un autre. C'est une chapka que j'avais. Une chapka? Ici. La chapka du Kamchatka? C'est celui que je me suis acheté au marché de Colmar. D'accord, voilà. Riquir. Riquir. J'ai de nouveau perdu le fil de ce que je racontais. Bien fait. J'ai de nouveau perdu le fil de ce que je racontais. Elle me dit bien fait. Vous l'avez peut-être entendu au micro. J'ai beaucoup de fil à coudre à la main. Ouais, ouais. Ça caille bien quand même. Il fait que zéro, mais ça caille. Hein. Il fait humide. Ah oui, c'est sain, oui, ça c'est clairement très sain. Oui, voilà, je disais donc que vous imaginez bien qu'on ne peut pas mettre dans un fourgon aménagé, ni même dans un camping-car, tous les objets qu'on trimballe, ni même tous les vêtements. Je ne parle même que des vêtements. Vous savez que dans la version Max, et ça sera une autre vidéo qui parlera du van pour les 3 ans de la vie en van, cette version Max au niveau des armoires, c'est quand même un gros désastre. Et même si j'ai aménagé un petit peu à ma sauce, il n'en reste pas moins que je ne sais pas mettre mes affaires d'été et mes affaires d'hiver. Donc pour le moment, chez Dame Sonia, il y a toute une partie de la garde-robe qui est occupée par mes affaires d'été. La moitié, je vous le dis, il en a du bazar. Comment ça? Ouais, ouais. Mais en plus, c'est tous des vieux trucs que j'ai. Hein. En vêtements, c'est tous des vieux machins que j'ai. Oui. Depuis 10 ans, je ne m'en achète quasiment pas. Mais c'est normal. Pourquoi? Tu dis toujours que tu mets ta salopette quand tu avais 15 ans et tout. Oui. Donc, et donc, j'ai que des vieux trucs. Tout est à la selon. J'ai que des vieux trucs. Voilà. C'est vrai que moi, j'achète extrêmement peu de vêtements. Et le peu de vêtements que j'ai reçus depuis 10 ans que je suis séparé de ma femme, c'est soit ma femme, soit Sonia qui me les ont achetés. Donc, voilà. Donc, pour le moment, chez Sonia, il y a toutes mes affaires d'été. Et dans le van, les affaires d'hiver. Et quand il va commencer à refaire bon, eh bien, ça va être l'inverse. Je vais virer tout ce qui est d'hiver et reprendre tout ce qui est d'été. Tout ce qui est matériel, donc mes scies, etc. Matériel de car detailing, aspirateur, karcher. Tout ça se trouve soit chez ma belle-mère, mais qui a 93 ans, donc tant que ça dure, ça va, mais voilà, peut-être qu'un jour, je serai obligé de trouver une solution. Et il y en a une partie aussi chez mon ex-femme. Des fonds studio, par exemple. Je pense à mes fonds studio. Donc, j'ai un chroma green, donc pour faire du fond vert. J'ai un bleu, j'ai un blanc et un gris foncé. Mais ces trucs, ça fait 4 mètres, 3 mètres. 3 mètres 72 de long. Ce sont des rouleaux, donc en soi, ça prend pas de place, mais ce sont des tubes qui font 3,72 m de long. Où est-ce que vous voulez que je foute ça? Donc ça se trouve dans la chambre de mon fils, chez sa mère. Et le manque d'un port d'attache, c'est un truc qui m'a quand même perturbé un petit peu, quoi. Mais bon, on apprend à faire avec, bien évidemment. À
Et puis il n'y a pas que ça, il y a évidemment le matériel informatique que j'avais, donc une imprimante avec un scanner, etc. Donc ça s'est réinstallé quelque part aussi pour que je puisse l'utiliser quand j'ai de l'administratif à faire. Et vous savez, comme moi, quand on a une société, de l'administratif, il y en a. J'ai les rouis verts. Les rouis verts ou les rouettés du vin, pour le moment sont les rouettés, ben ça c'est pareil, c'est stocké dans le garage chez ma belle-mère. Et au mois d'avril-mai, ben ça sera l'inverse, ça sera les rouis verts qui seront stockés là. Donc voilà, un point d'attache, c'est quand même un gros plus très appréciable. Autre point très important, je ne vais pas dire quand on est van lifer version Instagram, parce que là on est toujours au soleil, il ne pleut jamais, mais quand vous vivez dans votre fourgon aménagé, ici en Belgique en particulier, eh bien voilà, on vient de se manger 5 semaines de pluie quasiment continue 24 heures sur 24. Dame Sonia confirme ? Oui. Voilà, Dame Sonia confirme. Et ben, maintenant c'est un temps un peu plus hivernal, donc oui c'est bien, mais enfin c'est quand même pas super gai. Donc ça, c'est aussi quand même un point à prendre en compte. Maintenant, celui qui est dans une situation identique à la mienne, mais qui est en Espagne ou qui habite dans le sud de la France, la donne est tout autre, bien évidemment. On va parler maintenant d'un autre sujet important quand on vit dans un fourgon aménagé. C'est le fait de se faire jeter maintenant d'énormément d'endroits, même des endroits où on pouvait aller il y a... ne fût-ce qu'un ou deux ans encore. J'étais cette semaine, puisque j'allais chez un client à Bastogne, j'étais cette semaine à Bastogne. Et ben, pour se garer, il y a un parking, un grand parking avec un emplacement réservé pour ce qu'on appelle en Belgique les mobile homes, c'est-à-dire les camping-cars. Mais au-dessus, et je ne pense pas que ça soit légal, un panneau qui vous dit que vous pouvez y être jusqu'à 9h du soir, mais qu'après ça, il faut aller au camping qui se trouve à telle adresse. Alors, des panneaux officiels du code de la route qui vous renvoient vers un camping privé, je serais quand même curieux d'y rester une nuit et de voir que la police vienne pour essayer de m'en déloger. Mais bref, c'est de toute façon relativement mal famé. C'est sale, comme énormément d'endroits en Belgique. Les routes sont défoncées, comme quasiment partout en Belgique. Donc c'est un peu triste. Voilà le genre de cas qu'on a. On a un autre cas, c'est par exemple la ville de Durbuy, qui fait la même chose, qui renvoie vers le camping. Donc c'est sans doute des petits arrangements entre amis. Et ça devient très compliqué. Quand c'est pas ça, ce sont les barres de hauteur, les parkings que je mentionne, Durbuy et Bastogne. Ce sont des parkings qui sont quasiment vides. Donc c'est même pas dire qu'il y a trop de monde et qu'il faut réguler. Non, non, c'est absolument vide. La nuit, le parking à Bastogne, il est vide. Durbuy, c'est pareil. Il y a un immense parking à 2 km de la ville. Et c'est entièrement vide la nuit aussi. Et on interdit les mobile homes. Je n'ai pas, moi, personnellement, entendu cela, mais cela s'est dit sur YouTube et on me l'a relaté. Ben voilà, le nombre de vanlifers avait explosé avec le Covid. Et que c'était peut-être aussi à cause des chaînes YouTube qui avaient poussé, entre guillemets, les gens à choisir ce mode de vie parce qu'en regardant les YouTubeurs, on trouvait ça absolument fantastique. Moi, personnellement, je pense qu'il faut être bouffi d'arrogance et de suffisance pour s'imaginer qu'on a poussé les gens à choisir la voie de la van life. Et je peux vous dire d'expérience, en 3 ans, moi, des vanlifers, je les compte sur les doigts de mes deux mains. Par contre, ce qui a explosé, c'est le nombre de camping-caristes. Ça oui, parce que les gens n'osaient plus aller à l'hôtel ou au restaurant, etc. Ils voulaient dormir dans leur drap. Et le nombre de camping-caristes a effectivement explosé. Ça, c'est clair, puisqu'on a eu d'ailleurs en Belgique de reportages en ce sens. Il n'y avait plus de stock nulle part, on ne trouvait plus de véhicules, parce que tout le monde s'est jeté là-dessus comme la pauvreté sur le monde. Ça oui, et avec cette explosion du nombre de camping-caristes, bien évidemment... Et malheureusement, l'explosion des comportements déviants, hein. Et c'est souvent les mêmes, j'en ai déjà parlé 2 ou 3 fois sur la chaîne, c'est souvent les mêmes, donc je vais les citer, je suis désolé, s'ils ne sont pas contents, c'est le même tarif, mais les Néerlandais qui n'oseraient pas faire chez eux le 1/10 de ce qu'ils font quand ils sont à l'étranger, voilà, ils ont des comportements de porc. Alors, pas tous les Néerlandais, il n'est pas question de les mettre tous dans le même panier, bien évidemment, mais bien souvent, je vois sur des aires de service ou sur des parkings, des gens qui vidangent alors que vous avez la borne de vidange qui se trouve à 10 mètres, quoi.
Et c'est de tout pays. Et ce sont rarement des Français ou des Wallons, hein, je le dis. Et ce sont ces comportements-là, plus les concentrations de trop de véhicules, qui font qu'à un moment donné, les autorités disent stop parce que les habitants, les locaux, en ont marre de voir ces alignements devant chez eux, quoi, hein, comme le phare de Gatteville, je pense, dans le Cotentin. Je crois que là aussi, c'est interdit maintenant. Il y avait un bel espace sur lequel j'ai déjà été deux fois, qui était vraiment en bord de mer. Eh bien, si on regarde maintenant sur Parc Fortnite, on voit un commentaire de gens qui se sont fait jeter alors qu'ils étaient seuls, hein, là sur place. Enfin voilà, ça devient extrêmement compliqué. Et je pense qu'à court ou moyen terme, on sera obligé d'aller dans des campings. On n'aura plus le choix. On sera interdit partout. Et ça sera amende. L'État a besoin de beaucoup d'argent. Et donc voilà, les amendes maintenant, ça ne chipote plus. Hein. Vous l'aurez compris, selon moi, l'avenir de la van life telle qu'on l'a connue il y a 4 ou 5 ans, il est quand même, à mon sens, un petit peu compromis. Et voilà, c'est ma foi comme ça. En ce qui me concerne en tout cas, c'est pas demain la veille que vous allez voir une vidéo avec comme titre « J'arrête la van life parce que voilà, de toute façon, je n'ai pas le moyen de faire autrement que ce que je fais pour le moment. J'essaye quand même, même si ça ne transparaît pas du tout dans cette vidéo, de rester intérieurement le plus positif possible. Je vis dans mon van, j'y dors bien, je prends une douche tous les jours ou presque comme n'importe qui à la maison, sauf que la mienne elle est un petit peu plus courte et je consomme donc moins d'eau. J'ai l'un ou l'autre abonné qui m'envoie parfois des mails, là voilà, je me renseigne pour me lancer dans la van life, etc. Moi je dirais, si vous avez des ressources, des réserves, et que vous pouvez vous permettre de voyager, de partir 3 mois en Scandinavie, par exemple comme Lise et Bastien, ou d'autres l'ont fait, ben oui, allez-y, faites ça pendant 1 an ou 2, et puis faites autre chose. Maintenant, si vous n'avez pas de réserve particulièrement élevée, ce qui était mon cas, où vous avez des activités que vous devez conserver pour gagner votre vie, moi je vous déconseille fortement de vous engager là-dedans. Et de toute façon, maintenant, devenir camping-cariste, donc pas van-lifer, mais camping-cariste, avoir un véhicule comme le mien ou un camping-car pour partir en vacances, ben, je ne sais pas si vous avez vu le prix des véhicules maintenant, mais c'est quand même assez cher. Hein. Donc voilà, donc tout cela coûte très cher. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on continuera de parler de mes 3 ans de van-life. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Une bêtise. À bientôt. L'ours des Vosges à pompons rouges, c'est une nouvelle race, vous a dit à bientôt. On va la refaire. Mais en fait, je croyais que j'arrivais à ce côté-ci et je vois que j'arrive à l'autre. Non, c'est là, l'image est inversée. Oui, donc c'est ça que je me retrouve comme une grosse bièce. La gueule dans le quoi? La gueule dans l'écran. Dans l'écran, on voit que ça. Ah ben forcément, l'ours des Vosges, ça prend de la place. Et le Stabilobos. Le Stabilobos. Ouais, ouais. Comment est-ce que j'avais fait la fin? Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on continuera de parler. Dans tous les cas, je vous retrouve dans encore 1 ou 2 vidéos dans lesquelles je parlerai de mes 3 ans de vie en van. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, prenez grand soin de vous. Attends. Ah non, je ne me dis plus, c'est trop. Non. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la prochaine, mais pas seulement. Il y a également l'ours des Vosges à pompons rouges, une toute nouvelle race. Regardez, c'est l'ours des Vosges à pompons rouges, on peut même le toucher sans risquer de se faire mordre. Salut à tous! Et patte rouge, pompon rouge et patte rouge aussi. Voilà. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous. Ça caille bien quand même.